Bonjour, nous sommes ici à Outaouais en fête, pour la Saint-Jean. Et oui, ils ont demandé à des Ontariens de demander des questions à des Québécois sur la culture québécoise. Guy Nantel était occupé. Allons-y! Quelle chanson a été longtemps l'hymne de la Saint-Jean? L'hymne de la Saint-Jean? Aucune idée. Je crois que c'est une chanson de... Non, je sais pas. Ben, c'était une chanson super populaire, fait que c'était celle-là. Wow! Quelle question, là! Oh boy! Ben, en fait, c'est le Au Canada. Combien de francophones y a-t-il au Canada? Au Canada. Aucune idée. Ben, moins que 7 millions. Il y en a 10 millions. Ouais. On est en 33-34 millions au Canada. On doit en avoir un bon tiers francophone, peut-être? Il y en a moins que des Anglais. Vous me semblez réfléchissante. À quoi pensez-vous? Appelez-moi Shawinigan. OK. S-H-A-W-I. N-I-G-A-N. Oui, effectivement! C-H-A-W-I-I-L-L. Non, Shawinigan. Shawinigan. N-I-G-A-N. Ça, c'est facile. S-H-A-W-I-G-N-A-N. Shawinigan. Et maintenant, Félix explique. Qui était le national des Canadiens français. Donc, c'est un petit peu un symbole volé. C'est notre emblème à nous, mais approprié, volé par le pouvoir anglo-saxon fédéral, en fait. Appelle-moi Shawinigan Handshake. Ben, il y a cette figure-là qui est une figure folklorique canadienne-française. En fait, dans la religion catholique telle que pratiquée au Canada, Jean-Baptiste est le saint patron des Canadiens français. Mais Jean-Baptiste est un genre de prédicateur juif en Palestine, un contemporain de Jésus qui pratiquait des baptêmes artisanaux en dehors des rites sanctionnés par le pouvoir central de Judée. OK, on va prendre un petit break, là. C'était qui Jean-Baptiste? Je savais qu'elle allait l'avoir de même. Steph, Jean-Baptiste. Je connais pas. Tu connais pas? Mel, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ah, je suis seul. C'est chier. Aucune idée. C'était le cousin de Jésus. C'est celui qui l'a baptisé. Ah, je savais, t'avais dit que t'avais écouté le film. C'est un saint. Saint Jean-Baptiste? Oui! All right! Merci, Tim! Fait que, comme ça, tu poses des questions, tu te penses là, c'est ça? Ah, ben, il répond. My God! Celui qui baptisait. Qui est le ministre de la francophonie au Canada? Un anglophone. Y es-tu même francophone? Félix explique. Pas encore. Fondation est un bien grand mot. C'était une grosse cabane en bois pour faire de la traite de fourrure fondée par Samuel de Champlain à l'origine, donc ville. Les origines du drapeau du Québec, c'était une alternative ultramontaine au bleu, blanc, rouge républicain français utilisé par certains nationalistes canadiens français du 19e siècle, basé sur le drapeau carillon qui était aussi utilisé au Moyen-Âge comme drapeau de guerre par le royaume de France. Ou ben neige pis lac. En gros là, pour que ça soit vague. Pourrais-tu élaborer? Non! Quelle année a été fondée la ville de Québec? 1864? Non. Je peux t'appeler un ami, Étienne? Oui! Je vais avec 1608. Parfait! Non. 1608. Effectivement! J'ai plus rien! J'ai plus de jambes! C'est où mes jambes? Oh my God, je suis grand! Check comment je suis grand! J'ai la tête ici, j'ai les pieds là-bas! Pouvez-vous compléter les paroles de la chanson? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est... L'hiver. Non, non, c'est pas ça! C'est pas l'amour, non! Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est l'hiver! C'est le gif! Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est... L'hiver! Ma route
Denis de Paul. Je ne sais pas. OK. Et mon pays, ce n'est pas un pays, c'est... L'hiver! C'est l'hiver! Après multiples questions posées à des Québécois sur la culture québécoise, nous réalisons que mon pays, ce n'est pas un pays, mais c'est l'hiver tout court, et le jardin aussi. Merci Guy Nantel, grâce à toi, j'ai mangé un sac plein de cannelle et de sucre en poudre. J'ai mal à la gorge. Salut, à la prochaine! Et un sac de cannelle et de sucre en poudre. Igloo, non, tout! Encore, il en reste! Il en reste plein, là! Oh, le ciel, Non! J'en ai dans le nez, ça! Ça fait que je trouve!